d'accueillir les clients qui vont avoir un projet de réalisation d'une piscine. C'est vraiment un projet qui doit être très personnalisé. Et de ce fait, je crois que la première démarche qu'on doit avoir, c'est vraiment d'être à l'écoute de nos clients pour bien les comprendre et bien les conseiller sur leur projet de piscine. J'ai passé 30 ans dans le service aux entreprises, j'étais dans les directions commerciales et en l'occurrence, le monde de la piscine m'attirait particulièrement. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec différents intervenants et que j'ai pu rencontrer Magiline. La visite de l'usine de production de Troyes, où j'ai pu comme ça à la fois rencontrer les équipes et voir comment ça se passait en termes de fabrication des piscines Magiline. Le positionnement qualitatif et innovation du produit Magiline. Et puis ensuite, en effet, le fait de reprendre la succursale, une équipe en place, une notoriété très importante sur le département de l'Ain, tout ça ont été des facteurs favorisants dans ma prise de décision. La bonne impression que j'avais dès le départ est confirmée. C'est plutôt très enthousiasmant d'être sur un marché très dynamique comme celui de la piscine actuellement. Donc maintenant, je souhaite qu'on poursuive sur cette lancée qui est une très bonne lancée, un très bon démarrage. L'écoute et l'accueil de nos clients. Ensuite, l'organisation de façon à ne pas perdre de temps et à être toujours très efficace. Je lui dirais en effet de rejoindre le réseau Magiline parce qu'il va trouver un produit de qualité et qui est beaucoup dans l'innovation et qui apporte une approche totalement différente sur le marché de la piscine.